Et salut à tous, c'est Wisberen pour vous servir et bienvenue dans un nouveau match Ligue des Champions, le quart de finale retour entre Liverpool et le Real de Madrid. Le score à l'aller était 3-1 pour le Real, des grosses bourdes défensivement du côté Liverpool, assez impardonnable. Et c'est parti pour le match. Roberto Firmino qui va donner le coup d'envoi du match. Et oui, ce score 3-1 à l'aller, le Real qui avait avec un doublé de Vinicius et un but de comment il s'appelle l'autre, comment il s'appelle Asensio, voilà, je cherchais le nom, avait emporté. Et trop d'erreurs défensives du côté Liverpool. Et on espère que Liverpool se redresse, mais ils font face à un Benzema qui est complètement dans son prime. C'est impressionnant la saison qu'il fait, Benzema. Il mène vraiment son équipe du Real à bout de droit. Et on va voir si Liverpool, qui n'est pas encore enterré, Liverpool, il reste deux buts à marquer. S'ils marquent deux buts, ils sont qualifiés. Hein. Ce petit but à l'extérieur, mine de rien, ça peut changer les choses. Liverpool qui a peut-être un pied à terre, mais pas l'autre pied. Donc on sait pas. Allez, Roberto Firmino là qui tricote avec Milner et Casemiro qui s'interposent. Le Real va pouvoir se relancer dans ce match pour l'instant avec Modric. Wijnaldum qui intercepte. Beau tac de Wijnaldum là. Belle interception pour Mané. Firmino, ça peut aller très vite. Hein. On le connaît, le trio offensif de Liverpool. Qui à tout moment peut piquer. Allez, Firmino là, la balle pour Mané qui va trouver Wijnaldum, Sadio Mané et Eder Militao qui s'interpose et Casemiro qui va pouvoir contre-attaquer pour le Real de Madrid. Vinicius qui demande la balle, Vinicius qui ne sera pas servi et Benzema qui préfère conserver pour l'instant dans un premier temps. Qu'est-ce qu'il nous fait Benzema? Un mauvais passe de Benzema là-dessus, un peu bizarre le choix de Benzema. Étrange comportement. Et Roberto Firmino qui va contre-attaquer pour les joueurs de Liverpool avec Wijnaldum. Wijnaldum qui va retrouver Firmino. Firmino, oh la bonne transversale pour Salah. Salah qui va rentrer dans la surface de réparation, qui va retrouver Firmino, qui voit sa frappe contrée et la contre-attaque du Real. Attention avec Benzema. Benzema qui peut contre-attaquer. Attention, il va servir Vinicius sur le côté. Peut-être le centre de Vinicius, la fin de centre et Arnold qui va dégager ce ballon loin devant. Vermitao, attention à ne pas se gêner entre les défenseurs centraux du Real qui va rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions. On sait que le PSG et Chelsea y sont. D'après la simulation, Manchester City devrait affronter le PSG. Mais il nous manque ce dernier demi-finale. Et Modric qui va frapper. L'arrêt d'Alisson là-dessus. Oh, quel arrêt! Oh, attention Liverpool, attention, ne pas laisser frapper. Le centre, le corner et Fabinho qui s'interpose devant Benzema. Mais qu'est-ce qu'il était encore bien tiré ce corner de Toni Kroos. Rebelote. Toni Kroos, le corner un peu moins bien frappé. Et Arnold s'interpose. Benzema qui gagne son duel aérien. Vinicius dans la surface. Vinicius, un contre favorable. Et encore un corner obtenu par Vinicius. Et encore un corner. Et c'est parti. Fabinho cette fois s'interpose. Et la balle qui va revenir sur Benjamin. Sur Ferland Mendy, pardon. Décidément. Avec Kroos, Benzema. La petite touche pour Vinicius. Casemiro pour Modric. Ah, surface de réparation. Et Phillips qui s'interpose. Oh, c'est le feu. C'est la panique là. Hein. C'est la panique. Chez les joueurs de Liverpool qui n'arrivent pas hein, dans ce match. Attention, c'est parti avec Firmino, Wijnaldum. Et Liverpool mené, hein, le gros temps fort du Real qui s'est produit. Mais au moins, ils n'ont pas pris de but. C'est ça qui compte, Liverpool. Ils n'ont plus le choix. Il faut qu'ils gagnent 2-0 absolument. Allez, Milner. Firmino. Wijnaldum, la passe. Oh, la passe de Wijnaldum et Courtois qui avait anticipé, heureusement. Et ça fera 0-0 à cette première mi-temps. Ah, les joueurs du Real pour l'instant qui nous ont
proposé une très très belle copie dans cette première période. On a vu un Benzema intéressant, un Vinicius gigotant. C'est très bon pour le Real ce qui se passe. Et c'est parti avec Modric. Modric qui va trouver Valverde. Modric, Casemiro, Benzema, Casemiro. Et on contrôle bien du côté Real. On fait bien tourner, on joue propre. Benzema, Benzema. Allez, on hésite, on fait travailler le défenseur là-dessus. Vinicius. Attention, on le connaît, hein, Vinicius. J'avais dit qu'il avait des problèmes de finition au match dernier. Il les a réglés, en tout cas, au match aller. Il nous a montré qu'il pouvait marquer dans les grands moments. Mais surtout, beaucoup d'erreurs défensives de Liverpool. Hein. On le sait, Liverpool, hein, ils ont le milliard de blessés. Hein. Surtout en défense centrale, c'est catastrophique. Le sort s'acharne contre eux. Et il n'y aura toujours pas leur capitaine en plus, Henderson. Il y a perte de ballon, hein. Ça c'est terrible de perdre le ballon comme ça. Encore une erreur défensivement. On perd le ballon trop haut du côté Liverpool là-dessus. Et pour l'instant, le Real qui gère tranquille, hein, avec Kroos, Valverde, Kroos à sa main, hein, tranquillement. Il fait un très bon match, Kroos. Benzema aussi, on le voit beaucoup, Benzema. Et allez, la contre-attaque avec Roberto Firmino qui va aller provoquer la défense du Real là-dessus. Et qui attend du soutien avec Wijnaldum. Il arrive le soutien, Wijnaldum. Wijnaldum. Allez, Milner, on n'a pas beaucoup de solutions du côté Liverpool. Avec Thiago Alcantara, Roberto Firmino. La passe pour Alcantara, Firmino, peut-être il va pouvoir la passer. Non, il va bien se faire couper, Milner. Mohamed Salah et Casemiro qui s'interpose. Casemiro très très solide dans ce match. Et pour l'instant, Liverpool qui n'arrive pas à percer le Real, et même le Real peut contre-attaquer avec Karim Benzema qui va lancer en profondeur. Valverde, Valverde peut-être pour un centre, pourquoi pas pour une passe. Il va temporiser, attend du soutien, la passe pour Modric. Modric, Casemiro qui retrouve Benzema. Benzema bien contré par Fabinho là-dessus, et Thiago qui peut relancer. Allez, il va falloir accélérer du côté Liverpool. Toujours 0-0 dans ce match. Wijnaldum. Ah, il va falloir accélérer un peu. Du côté Liverpool, il y a deux buts à rattraper. On le rappelle, Milner. Milner pour Roberto Firmino. Roberto Firmino, la passe. L'interception de Ferland Mendy. Malheureusement, ça ne trouvera pas ça là. Allez, Benzema. Benzema, ouais, on écarte encore bien le jeu. Quelle qualité de vision du jeu de Benzema pour Vinicius. Vinicius qui retrouve Benzema. Benzema dans la surface de réparation. Qui passe à Kroos, qui passe à Valverde. Oh, quelle action! Quelle action du Real! Et là, les carottes semblent cuites pour les joueurs de Liverpool qui doivent marquer trois fois. Mais quelle action encore! Initié par Karim Benzema qui va trouver Vinicius sur le côté, qui va revenir sur Karim Benzema. Qui revient sur Modric, et Modric qui ouvre sur Valverde tout seul. Et Valverde qui ne tremble pas et qui finit. Ça fait 1-0 Real. Et là, on peut considérer que Liverpool a plus qu'un pied et un orteil dehors. On connaît, c'est une équipe assez folle, Liverpool. Tant que le coup de sifflet n'a pas retenti, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec une équipe comme ça. Qui est habitué à des remontadas de dernière minute. Allez, avec Sadio Mané dans la surface de réparation, au moins pour sauver l'honneur. Mais c'est bien défendu par Vasquez. Hein, cet ailier droit reconduit en latéral. Une pratique qui se fait de plus en plus dans le football moderne. Des exemples tels que le génie de Boulança. Oh, Milner! Quelle pépite! Quelle frappe! Quel cachou! Oh, Milner qui égalise là-dessus! Oh, on l'a pas vu venir! Ce cachou de James Milner. Et Milner qui va céder sa place. Mais ça sera trop tard pour Liverpool. Nous jouons la 87e minute. Il y a encore deux buts à rattraper. Naby Keita qui fait son entrée. Ah, ça va être fini, ça va être fini. Le Real va pouvoir se qualifier avec un 1-1. Au retour, un très bon résultat. La tâche aura été trop dure pour les joueurs de Liverpool qui n'auront pas eu trop la possession et une victoire logique du Real. En l'ensemble des deux rencontres, le Real aura été plus solide. On n'a pas vu la pépite de Milner au ralenti.
On va finir sur la pépite de Milner au ralenti. On va le voir. Regardez cette pépite, les gars. Regardez-moi ça. Bim! Magnifique, mais ça ne suffira pas. Le Real l'emporte au final. Je vais vous dire une bonne fin de journée. C'était Wisberen.